متتبعي هذه القناة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 77 اللي نشوفو production de l'écrit. دونك لوبجيكتيف سي دو reconstituer un texte informatif. دونك recouper les phrases dans l'ordre pour obtenir un texte cohérent. غادي نرتبو هاد الجمل وغادي باش نحصلو على نص مرتب. Donc, il m'arrive de la prêter à ma sœur qui l'utilise pour apprendre l'anglais. Donc, pour mon anniversaire, mes parents me demandent de choisir entre des patins à roulettes et une tablette, car elle me permet de jouer et d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai tout de suite choisi la tablette. D'après la lecture, on a dit, il y a la première phrase. La deuxième. Car elle me permet de jouer et d'apprendre beaucoup de choses. C'est la troisième. Enfin, il m'arrive de la prêter à ma sœur qui l'utilise pour apprendre l'anglais. C'est la quatrième ou la dernière phrase. Donc voilà le texte cohérent. Donc pour mon anniversaire, mes parents me demandent de choisir entre des patins à roulettes et une tablette. J'ai tout de suite choisi la tablette car il me permet de jouer et d'apprendre beaucoup de choses. Il m'arrive de la prêter à ma sœur qui l'utilise pour apprendre l'anglais. Donc on passe à la dictée. Donc radi nfti alikoum jumal ntouma gatkbouhom après atrajou la vidéo bach tsahouhom. Donc les joueurs arrive sur le terrain. Virgule, il se salue. Point, l'arbitre siffle le début du match. Donc je répète, les joueurs arrivent sur le terrain. Virgule, il se salue. L'arbitre siffle le début du match. Donc voilà la phrase. Les joueurs arrivent sur le terrain. Ils se saluent. L'arbitre siffle le début du match. Donc, nous avons fait la page 77. Nous allons nous rejoindre dans la prochaine.